just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, my double up flow, vibrate the whole. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuel, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Old Gen pour une petite course, mais vous l'avez déjà sûrement vu et revu. Je suis désolé, j'ai pas de gameplay autre que celui-ci. Je voulais vraiment vous faire une vidéo à ce sujet-là parce que c'est très important. Donc vous l'avez vu dans le titre, je vais parler un peu des nouveautés qu'il y a sur ma chaîne et aussi des fakes de moi qui en sont en train de tourner, que ce soit sur les plateformes, les consoles ou même les réseaux sociaux. Donc du coup je vais en parler vite fait parce que c'est très important et je vois que dans l'espace commentaire ou même sur Facebook on m'envoie des messages en me parlant de ça. Donc du coup c'est important que vous le sachiez. Donc déjà il faut savoir que je ne possède pas de PS3 ou de PS4. Donc du coup il est impossible que je possède un compte PlayStation Network, donc une ID PlayStation. Donc cela fait qu'à partir du moment où vous apercevez une personne sur votre PS3 ou votre PS4 avec le pseudo Monsieur Virtuose, c'est d'office pas moi parce que je ne possède pas cette console. En ce qui concerne la Xbox 360 et la Xbox One, il y a un fake de moi qui est en train de tourner, que j'ai pu rencontrer, mais qui se fout littéralement de ma gueule. À la limite je m'en fous. Mais faites vraiment attention parce qu'il a déjà eu pas mal de mes abonnés. En fait cette personne a tout simplement remplacé le T de mon gamer tag par un 7. Donc du coup ça fait qu'on y voit vraiment que du feu. Et donc du coup les gens quand ils voient ce pseudo, ils se disent ouais c'est Virtuose qui m'invite, on va rejoindre. Mais pas du tout. Et après je ne sais pas ce que cette personne fait, si elle insulte ou si elle demande des lobbies, de l'argent, etc. aux abonnés, je ne sais vraiment pas. Donc faites vraiment très attention. Moi je reçois pas mal de messages me parlant de cette personne. Par contre je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. Donc si jamais vous l'avez rencontré, dites-moi un peu si jamais elle vous menace, si jamais elle vous demande de l'argent, etc. Parce que c'est vraiment pas le but qu'il y ait ça. Je tiens vraiment pas qu'il y ait de problème et que les gens pensent que c'est moi qui contrôle ce gamer tag, alors que pas du tout. Donc vérifiez bien le gamer tag avant de regarder. Après pour les comptes PlayStation, vous savez que je ne possède pas de PlayStation. En ce qui concerne les comptes Twitter, il n'y en a pas, donc vous n'avez aucun souci à vous faire. En ce qui concerne les comptes Facebook, il y en a, donc des comptes Monsieur Virtuose Lobby, Virtuose Card PSN, etc. Il y en a énormément. Sachez que mon vrai compte Facebook pour vous s'appelle Arnaud YT entre parenthèses Monsieur Virtuose. Vous pourrez trouver le lien dans la description pour ceux qui souhaiteraient m'ajouter. Donc ce compte est le vrai compte que je contrôle et que je possède. Tous les autres comptes ou pages Facebook ou groupes Facebook qui ne sont pas à ce nom là ne m'appartiennent pas. À part mon groupe Facebook où il y a écrit Monsieur Virtuose Glitch Astuce et Délire, ce groupe là m'appartient. Dans tous les cas, tout ce qui est dans la description, tous les liens qui sont dans la description sont les réseaux sociaux que je contrôle et qui m'appartiennent. Dans le cas contraire, cela ne m'appartient pas. En ce qui concerne les faux pseudos sur Skype, il y en a énormément, mais sachez que je ne donne pas mon Skype personnel et que mon Skype est vraiment bien caché et très privé et très confidentiel. Donc vous n'avez aucune chance de le trouver. À partir du moment où une personne vous accepte et vous demande et vous parle directement en disant que c'est moi, sachez que ce n'est pas vrai. Donc voilà, c'est la petite parenthèse en ce qui concerne les fakes. Aussi vous avez pu voir beaucoup de nouveautés sur ma chaîne, un nouveau concept, une nouvelle intro qui m'a été faite par Shumi My Devil. Je lui fais une grosse dédicace, vous trouverez sa chaîne dans l'espace description. Vous avez pu voir aussi un nouveau concept, c'est à dire qu'en bas à droite de mes vidéos, bah maintenant sur ma dernière vidéo et sur cette vidéo, vous avez pu apercevoir une petite bulle avec un texte dessus et un pseudo juste en dessous. En fait, j'ai fait exprès, c'était un truc que je voulais réaliser il y a très longtemps pour vous, mais que je ne pouvais pas faire avec mon ancien PC. Donc du coup, je le fais comme j'ai mon nouveau PC et j'ai Adobe Premiere. En fait, vous allez tout simplement utiliser le hashtag VirtuoseVideo, donc soit dans l'espace commentaire de cette vidéo ou de mes futures vidéos, soit sur Facebook ou soit sur Twitter. Mais si vous le faites sur Twitter, n'oubliez pas de créer un statut et de mettre le hashtag VirtuoseVideo soit à la fin de votre vidéo ou soit au début de votre vidéo. Comme ça moi je peux voir soit les tweets ou soit les statuts qui sont postés. Et en fait le concept est vraiment super simple. Je vais tout simplement sélectionner des messages de vous et il faudra tout simplement
bah moi je vais tout simplement les prendre, aller sur Photoshop, taper le petit texte dans la bulle, etc. Et après je mettrai votre pseudo juste en dessous de la bulle. Après vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je trouve que c'est bien, comme ça vous voyez un peu que je lis tous vos commentaires, etc. N'oubliez surtout pas qu'à la fin de votre statut, tweet ou commentaire, de mettre votre pseudo. Parce que sinon, moi ça va être dur de mettre un pseudo à la fin. Je serai obligé de mettre votre nom ou prénom Facebook ou Twitter, et franchement c'est pas l'idéal. Donc du coup vous me donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. Vous avez pu aussi voir que je mettais beaucoup plus d'images qu'avant sur mes vidéos. C'est normal, je possède maintenant Adobe Premiere avec mon nouveau PC. Bref, vous me donnez tout ça et tous vos avis dans l'espace commentaire. C'est très important pour moi de savoir ce que vous en pensez, etc. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas qu'il faut faire vraiment très attention aux fakes, et si vous avez la moindre question, n'hésitez vraiment pas à venir me la poser par mail. Le mail de ma chaîne, mon mail se trouve dans la description de ma chaîne. Allez, ciao bébé tout le monde.